Dans la course à la présidentielle 2020, Kadré Désiré Ouédraogo trace le chemin vers Kossia. Il était à la conquête de Koubri. Kadré Désiré Ouédraogo a répondu positivement à l'appel de ses partisans de la cité du Nabazana. Il était ce samedi 31 août à Koubri. Objectif, discuter avec les populations de la dite commune rurale sur leurs attentes, mais également leur présenter les grands axes de ses projets et ambitions pour le Burkina. Je crois que nos échanges ont été fructueux. J'ai beaucoup appris et j'ai eu l'occasion également d'expliquer à mes frères et sœurs le sens de mon engagement. Je n'ai pas d'autre objectif que l'intérêt supérieur du Burkina Faso, d'apporter le peu de connaissances et d'expérience que j'ai au service de notre patrie commune. Et je remercie toutes les femmes et hommes qui sont mobilisés autour de moi pour l'atteinte de ces objectifs. Vieux, jeunes, femmes et enfants sont sortis manifester leur soutien aux candidats et réaffirmer leur adhésion à la politique de Kadré Désiré Ouédraogo. Population laborieuse de Koubri, est-ce que vous acceptez, vous engagez derrière son excellence, M. Kadré Désiré Ouédraogo, pour sauver ce pays? Les attentes des populations de Koubri vis-à-vis de ce candidat de 66 ans qui représente pour eux l'espoir ne sont pas des moindres. Les allocutions et les prestations d'artistes ont émaillé cette rencontre entre le candidat Kadré Désiré Ouédraogo et des populations de la commune rurale de Koubri.